puis mon père et son frère aîné, qui s'appelait Jean aussi, Jean d'Étieux, ils venaient passer leurs vacances auprès de leur grand-père, avec leur mère, toutes les deux, qui étaient les deux filles de Henri Bertrand, un magistrat de Rion, qui était le fils du principal du collège d'Aubusson, qui avait donc hérité de cette demeure dans la famille depuis 1817. Le père était industriel. Il était industriel, il fabriquait des rubans. Et c'était un homme assez raide, mais très bien, point de vue, à tous les points de vue, mais assez raide, vous voyez. Jean Guitton l'aimait beaucoup. Et quant à sa mère, c'était le rêve. Je suis l'humble gardien des valeurs familiales. Et je ne sais pas si ça procure du bonheur, ça procure en tous les cas beaucoup d'occupation. Nous sommes dans la vallée de la Tarn. Cette vallée que Jean Guitton disait partager le côté laïque, ici, rive gauche où nous sommes, le côté de Fournoux, tandis que lui a choisi d'acheter une chaumière côté rive droite, le côté religieux d'après un certain Lebras. Il a été torturé dans son enfance, d'ailleurs c'est lui-même qui le dit dans ses derniers ouvrages, il a été torturé par ces deux potentialités. Lui affirmait que ça avait été une chance dans sa vie, ce que je crois parce que ça lui permettait, comment dire, de voir les choses à la fois de l'intérieur et de l'extérieur et d'éviter de succomber, somme toute, ou comment dire, au catholicisme idéologico-politique, si vous voulez, c'est-à-dire un catholicisme de réaction contre la société de son temps. Et alors, drame, lorsque ses parents ont décidé qu'il irait au lycée, et non pas chez les bons pères. C'est 1908, l'entrée au lycée de Saint-Etienne. Ça a été un choc dans la famille, et lui, 7 ans, effectivement, a pu en être marqué. Après, les choses suivent leur logique. Hein. Les parents, Auguste et Gabriel, étaient parfaitement unis, parfaitement d'accord. Il a commencé ce qui se faisait beaucoup à l'époque, dès l'école dite maternelle aujourd'hui, ce que l'on appelait à l'époque le petit lycée, et il a terminé, après le baccalauréat, dans les classes que l'on appelle toujours aujourd'hui hypocagne et cagne, c'est-à-dire qui lui ont permis de préparer et d'entrer à l'école normale supérieure. Cette maison d'étudiants, le 104 avait été organisée au départ pour recevoir les étudiants qui venaient des collèges de la province. On avait un collège à la Seine, un collège à Rion, un collège à Saint-Chamond, à Lyon. Et alors, une fois finies leurs études secondaires, pour ceux qui montaient à Paris, comme on disait, et pour leur éviter des fréquentations très malsaines, d'une part, et favoriser, d'autre part, leurs études. Tout ce que j'ai vu de cette époque, ou de l'époque antérieure encore plus, signale ce lieu comme le lieu des grandes amitiés. Il est arrivé ici en 1917, en octobre 1917, et il en est parti en 1920 lorsqu'il a intégré l'école normale supérieure, où il a été reçu 6e. Dès 21, donc, il a souhaité étudier ce qui a été l'étude de toute sa vie, enfin le temps, l'éternité, les problèmes de foi. C'est Brunschvicg qui lui a dit, mais puisque ça vous intéresse, parce que Brunschvicg était un athée, qui considérait que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de se lancer dans ce genre d'études pour faire carrière. Il lui dit, bah, puisque vous persistez, allez donc voir Jacques Chevalier. Jacques Chevalier, c'est un philosophe qui était professeur à Grenoble, disciple de Bergson, et puis qui connaissait surtout le père Pouget. Et c'est par Chevalier que Guitton accède chez le père Pouget. Le Chevalier m'a dit, ma première rencontre avec Pouget, c'était le 12 décembre 1901. Croyez-moi, le coup de foudre n'existe pas qu'en amour. Le père Pouget était un puits de science, mais comme il ne rentrait pas dans les canons de l'époque, on l'avait en quelque sorte mis sur la touche, et c'était un homme d'une dignité, d'une humilité. Et Jean Guitton arrive là tout bêtement, tout gentil, en disant « Père Pouget, je viens vous faire la lecture, asseyez-vous mon jeune ami, quel âge avez-vous » et voilà. Et alors, à la fin, Jean Guitton disait, mais c'est fameux ce qu'il dit. Et il prenait des notes, il prenait des notes. Et alors Pouget, qui ne voyait pas, il disait, mais tiens, j'entends gratter une plume, qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous n'écrivez pas tout ce que je vous dis, c'est très mauvais. Et c'est comme ça qu'il a écrit Portrait de M. Pouget. Pour ce qui est de la substance et somme toute de l'apport de Jean Guitton aux études auxquelles il s'est consacré, Portrait de M. Pouget reste, je crois, son chef-d'œuvre. Il avait un talent exceptionnel pour saisir, si vous voulez, ce qu'un personnage avait à la fois de singulier et d'exemplaire. L'oncle Jean a écrit un ouvrage où il parlait de Fournoux et en même temps de sa mère, qui s'appelait Le portrait d'une mère, qui a été une première fois écrit peu après la mort de sa mère, en 1930, et puis qu'il a réédité ensuite sous le titre de Une mère dans sa vallée, qui a eu un gros succès littéraire et d'estime, dans les années 60 à peu près. Une femme a été au centre de sa préoccupation, de sa vie, de sa méditation, de son amour filial, c'était évidemment sa mère. Il suffisait de l'entendre évoquer sa mère avec une émotion qui était toujours renouvelée. Sa mère était, pour lui, l'une des références humaines, presque surhumaines, qui a persisté jusqu'au soir et jusqu'au dernier souffle de sa vie. Sa mère, nous ne l'avons pas connue, donc on en parle un peu comme d'un personnage mythologique. C'était une mère admirable, incontestablement. Tante Gabriel avait une éducation assez ferme. Elle s'occupait de ses deux enfants, elle surveillait leur éducation très sérieusement. Et elle était d'un tempérament assez froid, comme d'ailleurs héritée de son père, le magistrat. Il ne devait pas avoir beaucoup et souvent de paroles aimables, ni pour sa femme, ni pour ses filles, ni pour ses petits-enfants. Encore qu'il appelait Gabriel Gazelle. C'était probablement Gabriel qu'il aimait le plus. Alors je ne sais pas si elle était mystique. Je ne sais pas trop, parce que moi, je ne l'ai pas connue. Hein, elle est morte en 1928. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ses deux fils, Jean et Henri, sans doute plus encore, étaient très proches de leur mère. Et ont été profondément marqués par ce départ, encore jeune, elle avait à peine 52 ans. Ma mère avait vécu dans un paysage qu'elle avait passionnément aimé et qui restait presque intact. La vallée de la Tarn, le château de Fournoux, un bois et une rivière au centre de la France. Et de même que Balzac n'a jamais pu séparer Madame de Bernis de la Touraine et Henriette de Mortsauf de Clochegourde, de même, j'ai voulu que ma mère fût comme réincarnée dans la vallée qui lui a assuré après sa mort une sorte de reviviscence et qui l'assure encore à mes yeux. Il s'est intéressé à d'autres femmes, qui c'est c'est Jeanne d'Arc, c'est Marthe Robin, c'est des gens comme ça qui sont pas des modèles de femmes sur la terre, j'allais dire. Hein. Son point de départ, c'est que la vie est intéressante. Il y a toujours quelque chose d'intéressant, de remarquable à trouver. Pour un philosophe, l'état mystique est quand même très gênant, surtout pour lui qui a été formé par le rationalisme français, qui était néo-kantien et qui était représenté par Léon Brunschvicg. Brunschvicg lui avait dit « Mon pauvre Guitton, mais qu'est-ce que vous allez faire en philosophie? Vous allez passer toute votre vie à démontrer l'existence de Dieu, qui bien entendu n'existe pas, et l'immortalité de l'âme, qui est une fiction de l'esprit. Je vous en prie, faites des lettres. » Alors, Guitton, je crois, a bien résisté à tout ça. Mais il comprenait parfaitement la vie mystique. La mystique l'a fasciné, les mystiques encore plus, et il a eu ce grand mérite, à mon sens, pour un philosophe, même plus précisément un professeur de philosophie, d'éviter, somme toute, d'écrire sur la mystique. Il y a des textes sur la mystique, mais très peu. parce que je ne l'ai noté nulle part sous sa plume, mais il a dû le ressentir avec une très grande acuité. La mystique, ça se vit, ça ne s'étudie pas. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup de choses, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Et ce qu'il y a, c'est que sur le plan philosophique, ce n'est pas un homme de système. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas de guittonisme. Ça ne pourrait pas exister. C'est un homme qui avait une certaine ouverture d'esprit. Il était certes rationaliste, mais il s'intéressait quand même au phénomène de Marthe Robin. Et pourtant, je crois qu'il ne reniait pas la tradition philosophique. Il a préféré entrer en contact avec des mystiques réels, Marthe Robin en particulier, qui est un cas tout de même des plus stupéfiants qui ait été enregistré par les annales, mais également des mystiques, et en particulier sur Jeanne d'Arc. Il a écrit un très beau livre, où le cœur de son interprétation est que c'est une mystique. Marthe Robin est mort en 1981, et il l'a vu pendant 25 ans. Il y a eu, comme dans les histoires d'amour, un coup de foudre, et alors à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je la verrais le plus souvent possible. Jean Guitton m'avait dit, il faut absolument, Bernard, que je vous fasse connaître l'être le plus extraordinaire que la Terre porte, être inconnu, méconnu, et pourtant centre de gravité de la vie mystique profonde de la France et du monde. Enfin, quand j'aurai accompli ce geste, j'aurai fait mon devoir à votre égard. Enfin, je peux mourir, m'avait-il dit en sortant de la première audience avec Marthe Robin. Je peux mourir maintenant, j'ai fait ce que je vous devais. Il y avait une extraordinaire connivence entre Marthe et Jean Guitton. Il y avait toujours le Père Finet qui était présent dans cette pièce qui était dans la quasi-obscurité. Il ne disait rien, mais de temps en temps, Marthe lui disait « Père, aidez-moi. Monsieur Guitton me pose des questions tellement compliquées et difficiles. Soufflez-moi. » Comme pour lui dire « C'est vous le théologien, c'est vous le prêtre. » Alors, Jean Guitton lui disait « Mais Marthe, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous. C'est pas ce que pense le Père Finet. » Vous voyez l'extraordinaire liberté de langage. Toutes les fois qu'elle disait une parole, c'était comme les paroles de Dieu, si vous voulez. C'était des paroles qui s'imprimaient en moi à jamais. Il a une interprétation, si vous voulez, de la vie religieuse comme vie mystique, si vous voulez. La vie mystique étant dès ici-bas, enfin, des expériences fugaces, instantanées de la béatitude. Enfin, quelque chose... Enfin, bon, je résume un peu, mais je crois que c'est ça. Et j'aurais tendance à lui donner raison. Donc, la religion comme rite social ne l'a pas beaucoup intéressé. C'est l'engagement. On engage toute une vie, enfin, et c'est une route vers l'absolu. Enfin. Je crois que Jean Guitton est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a au fond obéi à la définition de Platon. Le propre du philosophe, c'est de s'étonner. Il a été à Moulins de 1931 à 1935. Il est resté 4 ans. Il est resté 4 ans, et là, ça a été à la fois une année d'enseignement, mais une année de réflexion, parce que M. Jean Guitton a conçu sa thèse de doctorat, Le temps et l'éternité chez Plotin et chez Saint-Augustin, qui a paru quelques années après chez Paris-Boivin, mais il y a eu une première mouture chez l'éditeur moulinois, Crépin-Leblond. Et pendant qu'il enseignait au lycée le soir, dans l'avenue de la Gare où il habitait à l'époque, chez Madame Aupetit, il lisait les textes de Plotin et de Saint-Augustin. Je voudrais d'abord vous raconter une histoire amusante. Moi, je tiens à la raconter parce qu'il ne l'a racontée apparemment à aucun biographe. Il m'a dit « Oh, attendez que je sois mort pour le dire ». Et ça dénote le personnage tout à fait jovial et amusé de Jean Guitton. Il allait de Banville au lycée des jeunes filles, et là, quand il arrivait, les jeunes filles avaient un soin très particulier pour son chapeau. Quand il arrivait, elles se précipitaient sur son chapeau, lui prenaient son chapeau pour le mettre au porte-manteau. Bon. Et moi, il m'a dit, bon, au début, je n'y ai pas fait du tout attention, mais au bout de 4 ou 5 mois, je me suis demandé, mais elles se précipitaient avec une telle énergie sur ce chapeau, qu'est-ce qu'elles ont après mon chapeau? Et puis, j'ai regardé attentivement, sans que s'en aperçoive, et j'ai trouvé la solution. Les garçons, quand je quittais le lycée de filles, mettaient des billets doux dans le plastique de mon chapeau, et les jeunes filles, quand j'arrivais, se précipitaient pour récupérer avec foi et enthousiasme, disait-il, eh bien, les billets doux. Et l'œil mutin, il concluait cette magnifique histoire que je tenais à raconter parce qu'elle est jolie. J'étais sans savoir le messager de ces jeunes cœurs. Il a eu des admiratrices, hein. Il en a eu probablement assez jeune. Il n'était pas beau physiquement, certes pas, mais il avait de quoi charmer, et enthousiasmer et séduire, notamment ce don de parole. Sa mère a beaucoup compté pour lui dans sa vie. Alors les autres femmes, une autre femme a énormément compté dans sa vie, c'est Marie-Louise, lorsqu'il l'a choisie. Il l'a choisie, on peut dire que ce choix était plus raisonnable que sentimental. Il a été frappé par la fidélité de cette femme qui, il l'avait connue dans le mouvement des Davidées. C'était le mouvement des institutrices laïques de l'enseignement public qui avaient la foi et qui entendaient dans l'enseignement public manifester leur attachement à Dieu. Donc il avait connu Marie-Louise Bonnet, elle s'appelait Marie-Louise Bonnet, dans ce mouvement des Davidées, à l'occasion d'une session à laquelle participait Monseigneur Saliège, si je ne me trompe, qui était à l'époque archevêque de Toulouse, et elle était une des Davidées parmi beaucoup d'autres. Il a commencé à la distinguer lorsque, étant professeur d'université à Montpellier à la veille de la guerre, il lui a confié, en quittant Montpellier pour rejoindre son unité combattante, à Moulins, en 1940, le soin de veiller sur ses papiers. Je voudrais dire comment elle est entrée par effraction dans ma vie. En 1937, elle était venue me voir à Montpellier. Je la connaissais par un groupe catholique universitaire. Je me souviens de lui avoir alors prêté un livre sur la Vierge. Elle lut ce livre à sa manière, qui n'était pas tant de lire que de respirer. Fin 1939, la guerre. J'avais un petit appartement et surtout une vieille bonne, très fidèle. Pensant que la guerre serait courte, ne voulant pas perdre mon appartement ni mon gouvernement, je cherchais une vestale. L'idée me vint de demander à Marie-Louise, dont je ne savais pas le nom, si elle accepterait de vivre chez moi pendant le court intervalle de la guerre. Elle hésita longuement, elle pria beaucoup. Elle eut enfin la conviction qu'elle devait accepter. Elle demeura chez moi 5 ans. Marie-Louise avait déjà l'idée mystique qu'elle devait offrir ses peines pour moi en silence, pour obtenir mon retour. Elle avait l'horreur des privilèges, du marché noir. Elle voulut vivre à Montpellier avec les seuls tickets. Elle maigrit de 17 kilos. Elle a gardé dévotement, parce qu'elle, elle était coiffeuse, c'était un culte religieux qu'elle portait à Jean Guitton. Elle lui a gardé religieusement son appartement pendant toute la captivité. Il est rentré dans le train du 100e prisonnier. Je précise ce point parce que plusieurs interprétations malveillantes ont été faites nous indiquant que Jean Guitton aurait pu se trouver en France entre 1942 et 1944 à la Libération et à cette époque se livrer à des attitudes et à des comportements attentatoires à la dignité et à l'honneur de la nation. Il était dans son camp de prisonniers. Guitton n'a jamais que la trentaine, 30 ou 35 ans, lorsqu'il fait 5 ans de captivité, ce qui n'est pas gai, au milieu de l'âge le plus fort, de l'âge mûr, mais dans toute la force de son intelligence, il a passé 5 ans en Oflag. Et là, il a reconstitué une université à lui seul. Il a, avec quelques autres universitaires de son camp, ils ont recréé même des examens, des diplômes, ils ont refait des cycles universitaires. Et que faire de mieux dans un camp, quand on est condamné à l'oisiveté, c'est d'étudier. On se bousculait à ses cours, et on se bousculait à la messe en même temps, parce qu'il était très pratiquant, et que j'ai eu un oncle qui était dans le même camp que lui, et il était une figure de très stoïque, très courageux, pas se plaignant jamais. C'était un homme dur au mal et très fraternel, très fraternel. Jean Guitton était un homme qui aimait son pays, qui était tout à fait désolé de l'état de guerre qui se trouvait, mais qui avait quand même une admiration pour certaines valeurs. Et on l'avait accusé, lorsqu'il est rentré de captivité, d'être sympathique à Vichy. Ce qui lui a valu même des chahuts dans des cours à la Sorbonne. Il a même été dans un lycée, d'après moi ce qu'il m'avait raconté, où on ne lui faisait même pas enseigner la philosophie, on lui faisait enseigner les lettres. Vous voyez, c'est pour dire, il avait même été accusé d'indignité nationale, de choses comme ça. Dans les années 50, lorsqu'il a été empêché de faire son cours à la Sorbonne, il avait été élu à la Sorbonne, et les étudiants communistes lui faisaient obstacle à ses cours. Et j'étais à ce moment-là, je débutais au journal Le Monde et je m'occupais de la vie universitaire. Et donc, j'avais été à ses cours pour voir comment se passait cette obstruction par certains étudiants. Au motif que, étant un Oflag, étant prisonnier en 40, il avait fait une conférence qui n'était pas défavorable au maréchal Pétain. Ça lui était resté, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Lorsqu'il a été élu à l'Académie, il a été reçu par le général de Gaulle, qui était à l'époque le président de la République et donc protecteur de l'Académie. Et il faut être reçu par le président de la République pour être reçu sous la coupole. Il avait donc été reçu par le général de Gaulle. Et il avait dit à De Gaulle, en arrivant dans le bureau de l'Élysée, bon général, ou monsieur le président, comment faut-il vous appeler? Et De Gaulle lui avait répondu, vous n'avez qu'à alterner, une fois mon général, une fois monsieur le président. Et puis Jean Guitton lui dit, vous savez, avec son air malicieux comme ça, lui dit, vous savez, mon général, ou monsieur le président, je n'ai jamais été gaulliste. Et le général lui a répondu, ça tombe bien, moi non plus. Il a voulu rester fidèle à son idée de la France, hein, qui était celle de 39-40, qui était celle de beaucoup de Français, je crois, à l'époque. Il n'a jamais voulu renier. On lui a demandé de renier ou de dédire ce qu'il avait écrit dans son journal de captivité. Il n'a jamais voulu et il a tenu. L'accusation était qu'il avait été pétiniste ou collaborateur. C'était à peu près ça. Vous vous doutez que j'ai quand même, sur une telle accusation, essayé de me faire une opinion. Je l'ai fait en parlant directement avec lui, et comme j'étais quand même, bien que jeune, un contemporain de cette époque, il m'était assez facile de me rendre compte de ce que parler voulait dire et de ce qu'était la situation à l'époque. Je pense que dans son camp de prisonniers, il n'a pas fait de collaboration, c'est tout à fait absurde, et que son pétinisme était celui de la quasi-totalité des Français à l'époque où ça s'est exprimé. Ça ne veut pas dire du tout, comme beaucoup d'autres, qu'il n'ait pas été un vrai patriote, un anti-nazi, et qu'il n'ait pas salué avec joie et activement la libération de la France. Ça fait partie des règlements de compte, des oscillations de la pensée. Toujours est-il que la sagesse eût voulu que Jean Guitton n'aille pas se fourrer dans la gueule du loup en acceptant cette nomination de professeur à la Sorbonne. Il y est allé. Et là, ce qui m'a stupéfait, c'est que ce philosophe sensible, délicat, virevoltant, parfois piquant et acerbe, ce non politique fasse preuve dans cette circonstance à la fois d'une naïveté suffisante pour y aller, d'une conviction de sur sa bonne foi pour tenir, et d'une liberté intérieure pour résister aux critiques et faire son trou. En 47-48, ses amis, son père, lui ont dit « tu n'es pas prêtre, il n'y a pas de perspective que tu le deviennes jamais, il est normal que tu entres dans la vie maintenant, que tu es revenu de captivité et que tu te maries ». Et il y a une personne absolument admirable, une sainte, de dévouement, d'abnégation, de délicatesse, de pudeur, de discrétion et d'amour, parce qu'elle l'aimait. Ceux qui les avaient observés l'un et l'autre avaient discerné sans tarder qu'évidemment le cœur de Marie-Louise lui était déjà donné. Elle n'avait évidemment fait aucun aveu, aucune déclaration d'amour à Jean Guitton. Alors tout ça a eu pour conséquence que Jean Guitton a été non seulement frappé, mais bouleversé, et qu'il a demandé la main de Marie-Louise Bonnet. Je pense qu'il essayait, dans chaque femme, de retrouver cette discrétion, vous savez, elle méditait tout dans son cœur. C'est-à-dire que la Vierge est un personnage essentiel, central, mais il n'y a jamais une parole d'elle. Jamais, jamais. Ce sont les autres qui disent « elle a fait ceci » ou « elle a dit cela ». Et finalement, très peu. Mais il n'empêche qu'elle a un pouvoir extraordinaire. Et je pense que Marie-Louise était... Parce qu'on a beaucoup dit que Marie-Louise était effacée, c'est pas vrai. Elle était un personnage très important dans la vie de Jean Guitton. Elle avait des dons divinatoires, elle prévoyait, elle lui avait dit « vous serez élu à l'Académie tel jour ». Parce que c'est la Sainte Rita, je crois, quelque chose comme ça. Et Jean Guitton consulte, il le raconte, ça, d'ailleurs, son agenda, il lui dit « Marie-Louise, c'est impossible, c'est un mardi, vous savez bien que l'Académie ne se réunit jamais le mardi ». Et puis, je ne sais pour quel événement exceptionnel, l'Académie s'est précisément réunie ce mardi-là, au lieu du jeudi. Il a élu. Il était candidat pour la deuxième fois à l'Académie. Il avait été battu une première fois par Marcel Achard. Et cette fois-là, il y avait un candidat de poids qui était le duc de Gramont. Tous les grands électeurs de Jean Guitton, et notamment le général Weygand, lui ont dit « Cher ami, c'est le duc de Gramont qui passe. » C'est pas votre tour, désistez-vous. Alors Jean Guitton avait préparé, il me les a montrés, il les avait dans ses archives, les lettres qu'il avait écrites à l'ensemble des membres de l'Académie française pour annoncer qu'il renonçait à sa candidature. Et Marie-Louise lui a dit, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait bon que nous interrogions Marthe ? Ah oui, on n'a pas pensé à Marthe, dit Jean Guitton. Il faut interroger Marthe avant d'envoyer ses lettres. C'est Marie-Louise qui s'est occupée de cette affaire. Elle a téléphoné au Père Finet. Il s'est rendu chez Marthe, sur la plaine, sur le plateau. Et il en est revenu peu de temps après, rappelant Madame Guitton, en lui disant « Marthe a dit qu'il fallait qu'il y aille, mais elle a ajouté « Et pourtant, on n'entre pas au paradis dans un fauteuil ». Voilà une de ses formules. Et alors Jean Guitton a renoncé à envoyer ses lettres de renonciation. Tous ses amis ont été consternés en se disant il commet la faute de sa vie, il ne sera jamais de l'Académie parce qu'il commet une faute de tact. Et dès le premier tour, Jean Guitton était élu. Donc Jean avait eu sa consécration du vivant encore de son propre père, mon grand-père Auguste, qui a vu son fils entrer à l'Académie française et qui a assisté à la séance de réception. C'était un petit homme maigre, et alors on le confondait avec le général Weygand, ça l'amusait beaucoup. À partir du moment où il a décidé de se marier, en 1948, alors là il est rentré dans le siècle. Et il est rentré dans le siècle et il est rentré aussi dans les honneurs, avec l'Académie, et aussi dans les succès littéraires. Donc Marie-Louise a certainement été d'une aide très importante pour la vie public, je dirais, de l'oncle Jean. Il avait une mémoire étonnante, il récitait des textes entiers qu'il avait appris à 10 ans, enfin, dans le primaire et dans le secondaire. Textes religieux, textes laïques. Et il nous amusait en récitant La Mule du Pape, c'était un de ses grands succès. Il avait une attraction vers les sommets, ça, le sublime. Il cherchait l'élévation. Vous savez, il avait une de ses devises latines de prédilection qui était « Solvitur in excelsis »,« Solvitur in excelsis ». Ça se résout dans les hauteurs, si vous voulez. Jean XXIII a fait le concile, il a appelé Jean Guitton à assister, ce qui était une révolution. Et ça a été la première session. Et la deuxième session, qui était dirigée par Paul VI, alors là, ça a été... l'extraordinaire, Jean Guitton a parlé devant le concile. Premier laïc à parler devant un concile. Et là, on peut dire que ça a été le sommet de la carrière de Jean Guitton. Guitton venait nous raconter le concile. C'était prodigieux. Parce que dès que la conversation s'animait, qu'il commençait à raconter, on avait un véritable sketch. Il se levait, il mimait, il mettait une chaise en disant « là c'est le pape, là c'est monseigneur un tel ». Puis il a dit ceci, il a dit cela. Il raconte ça avec une subtilité, une intelligence prodigieuse. Nous croyons y être, d'autant plus qu'il nous montrait beaucoup plus que nous n'y aurions vu. À chaque fois, il percevait très bien les enjeux, les oscillations, les questions. Ce n'était pas un homme de parti, du tout. C'était un homme de vérité. Et la vérité est toujours au-delà des affirmations qui prétendent l'enserrer. Et pour atteindre la vérité, il faut être véridique. Paul VI, c'était une histoire tellement extraordinaire que bon, Jean Guitton, ça a marqué toute sa vie et il en a parlé toujours. Dans les dernières semaines, je lui ai redemandé, mais bon, vous avez connu plusieurs papes, quel est celui qui vous a le plus marqué, le plus... Naïvement, j'attendais qu'il me dise Paul VI, il l'avait quand même tellement mieux connu que les autres. Eh bien non, non, non. Ce qui restait, c'était Jean XXIII. Et pourquoi? Mais ça dépeint un peu le tempérament de mon cher oncle. Hein. Parce que Jean XXIII lui avait dit un jour, « Mon cœur est avec votre esprit ». Quand j'ai appris, tout à fait par les bruits, et je ne sais même pas si ça avait été rendu public, le fait que Mitterrand était allé le voir et avait voulu le rencontrer, je m'en suis réjoui. Parce que je pensais que Guitton était peut-être l'interlocuteur le meilleur pour Mitterrand et les questions que François Mitterrand se posait réellement. Et ce que je regrette, c'est que Guitton est cédé à je ne sais quelle curiosité indiscrète, mais il en a parlé. Il a rendu public, il a au fond... redit ce qu'il pensait, de ce que Mitterrand pensait, etc. Je trouve que ça, c'est une erreur complète. Au fond, Guitton, d'une certaine façon, n'a pas compris. Au fond, Mitterrand est allé voir Guitton comme il aurait été voir un prêtre dans sa jeunesse. Il y a beaucoup des hasards dans la vie de Jean Guitton, beaucoup. Mais bon, ensuite, les hasards, ensuite, on les canalise un petit peu aussi et puis on lui donne un sens. Mais les hasards, vous savez, Jean Guitton, il disait quelque chose qui était très beau. Et c'est ce qu'il a dit quand il m'a rencontré d'ailleurs, même s'il préférait le mot la providence. Il a dit « c'est le hasard auquel le cœur a cru ». De cet endroit, nous voyons le Devet, où mon oncle a acheté une chaumière. Alors il y a le Devet d'en bas, où se trouve Robert Pinton, que vous allez voir, et qui est celui qui est notre gardien aussi. Mais vu du Devet, il voit tout ce qui se passe à Fournoux. Et en haut, un peu plus haut, vous voyez la chaumière, de l'autre côté de la Tarn. Et puis si vous descendez en bas, vous voyez le moulin du Devet. Donc vous avez tout l'ensemble du Devet ici. L'achat de la chaumière est venu après son mariage. Il s'est marié en 48 avec Marie-Louise et il a acheté la chaumière en 49, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, autrefois, quand il se promenait, enfant, le Devet, c'était un lieu de promenade quasi quotidien. Et donc, il voyait cette chaumière tout le temps. Au début, il n'était pas tellement connu. Donc, il était très tranquille dans la Creuse. Il pouvait peindre, il pouvait écrire, travailler. Donc, il venait là à peu près un mois avec Marie-Louise. Il n'y avait aucun confort. Et ils allaient chercher l'eau au bas de la colline. Et je vois encore mon oncle, même des photos de lui, avec des brocs, qui remontaient les brocs. C'était pour nous quelque chose de... une joie de le voir arriver, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir lui parler, de pouvoir... C'était si gentil, si simple, et ainsi que Madame Guitton aussi. C'était autre chose, c'était une lumière pour nous. Ma mère habitait sur la rive gauche d'une petite rivière appelée la Tarn, qui sépare dans la carte fameuse du professeur Lebras les pays de raison et d'incroyance des pays de foi. J'ai acheté une chaumière en face du château, sur le côté de la foi, alors que Fournoux est sur le côté de la raison. Et comme je l'ai dit souvent, j'ai passé ma vie à traverser le pont qui sépare ces deux zones. Alors nous voilà dans cette chapelle que mon oncle Jean a construite dans sa propriété en 1970. Il l'a construite avec une idée, avec plusieurs idées sans doute, mais en particulier une idée qui était de placer ces deux toiles, qui sont là l'une au fond de la chapelle et l'autre sur le côté, qui sont consacrées l'une à la philosophie et l'autre à la théologie. Dans cette chapelle, il y a une chose qui est assez remarquable, qui est le vitrail, qui est un vitrail fait selon les techniques du vitrail classique, enfin ancienne, de l'atelier d'Artus Bertrand. Il y a en particulier une variété de bleus, il y a une vingtaine de bleus différents. Alors trois tableaux qui symbolisent le passé, le présent et l'avenir, appliqué à l'histoire de Jean Guitton, parce que le passé, on y reconnaît Tour d'Ivoire, on y reconnaît de façon un peu idéalisée le domaine de Fournoux, tel qu'il était avant sa restauration au XIXe siècle. Le présent, Maison d'Or, c'est la chaumière qu'on reconnaît. Et l'avenir, l'étoile du matin, c'est une étoile à 4 dimensions, c'est les satellites, c'est les fusées. Étoile du matin, Tour d'Ivoire et Maison d'Or étant des versets des litanies de la Sainte Vierge, les litanies de Lorette. Alors, dans la décoration de cette chapelle, il y a par exemple cette Vierge. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est un thème qu'on rencontre quelquefois dans l'iconographie, mais qui est rare. C'est la Vierge présente l'enfant Jésus, et déjà dans la position du Christ en croix. Jean Guitton a toujours été un homme de contraste. Il disait, j'ai deux cerveaux. J'ai un cerveau laïque et j'ai un cerveau mystique ou religieux, et ils passent leur temps à se disputer ou au mieux à dialoguer ensemble. Et je trouve que ça dit très bien ce que c'était. C'était un homme non pas déchiré, mais partagé. C'était un homme de dialogue. Donc il apparaissait différent selon les gens avec qui il dialoguait. C'était inévitable. C'était un artiste, c'était un homme sensible, c'était un homme très attentionné, c'était un homme qui aimait la vie, c'était un homme qui aimait la beauté, c'était un peu de tout. Le grand paradoxe, c'est qu'on a un Jean Guitton qui passe une partie de son temps à interroger sur ce qu'il doit faire. Il interroge Brunschvicg, il interroge Lançon, il interroge Monsieur Chevalier, il interroge votre serviteur. Demandez mon avis, bien entendu, mais il ne faut pas croire qu'il s'est laissé influencer, pas du tout. C'était quelqu'un qui était très indépendant. Il aimait avoir l'avis de l'autre, vous savez. Il aimait beaucoup parce que ça les rassurait. Mais en fait, je pense qu'il en tenait compte très rarement. C'était un homme qui avait une grande capacité de remettre en ordre et en perspective tous les arguments. Il n'était pas philosophe pour rien. Il n'avait pas une méthode, une dialectique très au point pour rien. Tout ça a été retravaillé dans son esprit, et notamment la nuit, parce que c'était aussi un grand insomniaque. J'ouvre cette parenthèse, il m'est arrivé, je ne sais pas si c'est arrivé à nombre de ses compagnons, de passer une nuit dans le même lit que Jean Guitton. Nous étions partis ensemble pour Rome, et nous sommes allés d'un hôtel à l'autre, les hôtels étaient pleins, il n'y avait plus de place. On a ouvert une chambre qu'on ne devait pas ouvrir, mais il n'y avait qu'un seul lit dans lequel j'ai dormi avec Jean Guitton. Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, et je lui disais, « Cher maître, vous dormez ?»« Non, Bernard, je pense. » Son intelligence ne cessait de fonctionner. On imagine mal cette nature en apparence fragile, frêle, discrète, qui était une centrale nucléaire en permanente activité. C'était un perfectionniste, mais c'était quelqu'un qui allait tout droit à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il m'a appris quelque chose qui est très important, et faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. J'ai le souvenir de leur téléphoner très souvent, et ce qui était très, très curieux et très enfin, remarquable, un peu étrange, c'est qu'ils vous écoutaient, ils parlaient, la conversation se développait, on avait l'impression qu'elle pouvait durer très longtemps, et puis tout d'un coup, ils savaient qu'il avait tout dit, que c'était fini, et ils vous disaient au revoir, ils raccrochaient, et vous restiez au bout du fil, un petit peu étonné quand même. Il était très exigeant, l'effet de là, il était très exigeant. Quand il voulait que je sois là, il fallait être là. Je lui avais demandé, puisque j'en étais commissaire général, s'il voulait bien être le parrain de la fête du livre. Donc il avait accepté, et à cette occasion, évidemment, j'avais eu l'occasion souvent de lui téléphoner. Et puis d'être parrain, c'est bien, mais ce qui était intéressant surtout, c'est qu'il accepte de venir à Saint-Etienne. Donc il avait fallu le convaincre que c'était une manifestation intéressante et une manifestation où il avait sa place. Et à cette occasion, le maire l'avait reçu de façon assez prestigieuse et on avait inauguré l'allée Jean Guitton. Et Jean Guitton avait souhaité que cette allée soit proche des allées Bergson. C'était pas par hasard, bien entendu. Et moi, j'ai un bon souvenir, un grand souvenir. C'est une année, il était venu à Saint-Etienne avec, à la Fête du Livre, donc, avec le président Pinet. Et tous les deux avaient accepté une interview qui était faite par Claude Chebel de France Inter. Et à cette interview, Jean Guitton était assez autoritaire. Quand les choses devaient se passer d'une certaine façon, il fallait que ça se passe comme lui avait décidé que ça se passe. Et Pinet se laissait guider sans problème. Et tout d'un coup, Jean Guitton s'est rendu compte que ça ne se passait pas comme lui aurait souhaité que ça se passe. Donc, il a pris la direction de l'interview. Claude Chebel est devenu transparent. Et Jean Guitton a interviewé Pinet. C'était pour moi un grand moment. Il venait tous les jours, tous les midis. Quand il venait en pantoufles. Il disait, Madame Grammont, je viens chez vous, c'est comme si je suis chez moi. Il aimait beaucoup les plats de couleurs. Il disait, voyez, Madame Grammont, ça c'est un tableau. C'est merveilleux à regarder, c'est magnifique. Ah, quand il avait un grand repas, qu'il avait des invités, il racontait toujours plein d'histoires. Et surtout pour son fameux grand repas du 8 décembre de l'Immaculée Conception, c'était quelque chose, vous savez. Monsieur Guitton, quand il allait voir le pape, chaque fois qu'il revenait, il nous bénissait. Oui, oui. Il disait, Monsieur, Madame Grammont, mettez-vous les uns à côté des autres. Et il nous bénissait. Il dit, le pape m'a dit de vous bénir. Il nous bénissait. Non, c'est pas ça. Il disait, quand il était à Rome, que le pape nous bénisse de là-bas à Urbi et Orbi. Et c'est quand il finissait les repas avec le pape. Alors, Jean Guitton me l'a dit plusieurs fois, donc j'étais béni de Rome par le pape. C'était un amuseur extraordinaire, Jean Guitton. On raconte que sa tante Valérie, la sœur de mon grand-père, quand il arrivait, lui disait « Ah, Jean, fais-nous rire !» On était content que Jean soit là pour faire rire la famille. Alors Jean se lançait dans des histoires invraisemblables, à dormir debout, et tout le monde riait. Et dans notre enfance, c'était, c'est vrai, une espèce de clown. C'était un homme qui avait un sens de l'humour tout à fait rare. Hein. Ça contrastait avec cette silhouette très courbée, n'est-ce pas, avec son chapeau, ses bottines, sa canne, alors qu'il avait une jeunesse extraordinaire en lui. Une peinture de Jean Guitton qui m'a donnée en octobre 88, donc 14 ans, et en me disant... cette toile a été faite en 71 sous le titre Mystère, hein, et elle représente, cette peinture, les cavaliers de l'Apocalypse. Alors, il faut être l'auteur du tableau pour avoir cette sensation. Je n'ai vu aucun cavalier, aucun cheval, et pas vraiment d'Apocalypse. J'ai plutôt vu une espèce de mollusque sur fond bleuté, mais je n'ai pas vu tout ça. C'est peut-être l'effet du mysticisme de Jean Guitton. Vous pouvez y voir, dit-il, les membres de la commission du dictionnaire. Alors là, je peux encore moins voir où sont les membres de la commission du dictionnaire. Peut-être là, il y a des gens un peu, peut-être des êtres un peu rouges autour d'une œuvre informe et un peu inexplicable. C'est peut-être en effet mystiquement ce qu'on peut dire de la commission du dictionnaire. C'était évidemment une blague de sa part. Il nous a expliqué qu'il avait hésité à 18 ans entre la peinture et la philosophie. Ah, oui. C'est pour ça que quand les gens ont imaginé qu'il peignait par délassement et à la fin de sa vie, ce n'est pas vrai du tout, du tout. Et c'est ce jour-là qu'il m'a effectivement dit que quand les mots ne venaient pas pour exprimer sa pensée, il prenait son pinceau. Il avait notamment un professeur de dessin qui était une de ses grandes amies, qui s'appelait Madame de Stern, qui lui avait... dans la 60e année de son âge, de l'âge de Jean Guitton, fait un cours très approfondi de dessin. Il était allé dans les ateliers. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit se déployer toutes ces formes très extraordinaires de création picturale. Il était un grand innovateur. Son mysticisme, il le mettait dans sa peinture, je crois, et il était convaincu que sa peinture était extrêmement inspirée. Au fond, au lieu d'appeler absurde toutes les données, en effet, inexplicables de l'existence, il les intitulait mystères, c'est-à-dire que ce n'était pas connaissable. Katia Granoff, je n'oublierai jamais, c'était une femme assez imposante qui avait eu le coup de foudre pour la peinture de Jean Guitton. Et elle m'avait prise un jour par les épaules en me disant « Mais vous savez, votre Jean Guitton, c'est pas un peintre religieux, c'est un peintre sensuel. C'est un peintre érotique. » Et alors je disais, heureusement Marie-Louise n'est plus là pour entendre ces proclamations qui l'auraient probablement bouleversée, mais il y a une part de vérité. Je ne crois pas qu'il recherchât la sensualité ou l'érotisme pour la sensualité et l'érotisme, mais à partir du moment où on est peintre, il n'y a pas de sujet qui vous est interdit. Les tableaux de Jean Guitton, c'est une explosion des couleurs, une symphonie des couleurs absolument magnifique. Il adorait la couleur, il était sensible à la beauté. C'est peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ces côtés des Jean Guitton. Et j'espère que cette peinture va être reconnue un jour. La lumière ressortait dans ces tableaux. Il y avait du rouge, mais le rouge qui n'était pas nécessairement l'enfer d'ailleurs, mais il y avait aussi du bleu, il y avait aussi surtout de la lumière. Il aimait la lumière. D'ailleurs, sans lumière, il n'y a pas de peintre. La lumière, c'est l'éclat absolu de la vérité. Le devoir du philosophe, le devoir du maître, le devoir de celui qui transmet un savoir à ceux qui sont susceptibles de recueillir ce patrimoine intellectuel et moral, ce devoir était d'être clair et distinct. Donc son œuvre est un effort permanent de clarté, d'élucidation, d'approfondissement. La peinture de l'oncle Jean, c'était comme sa pensée. Je pense que ça partait dans tous les sens. De temps en temps, ça allait être une peinture... des références à la Bible, de temps en temps sur la femme, de temps en temps un paysage. Mais il restait toujours cette recherche de Dieu. L'Espagne, alors, c'était la dernière apparition en public de Jean Guitton, était extraordinaire parce qu'il était invité par l'université catholique à Madrid. Il a fait... Il a prononcé un discours devant 2000 personnes, donc il était encore en pleine forme, même si un petit peu affaibli, bien entendu, mais encore très vaillant. Et il a fait une exposition à Madrid également, qui a eu beaucoup de succès. Alors, je vous quitte, mes chers amis, sans vous quitter, parce que je vous ai fait participer à ce que j'ai de plus profond dans ma peinture, car... j'ai toujours été pris entre deux devoirs, le devoir d'écrire et le devoir de peindre, parce que j'étais obligé d'être à la fois un peintre et un écrivain, et jamais je n'ai pu choisir entre ces deux vocations suprêmes. Alors j'ai décidé de donner à la ville de Madrid en particulier, en guise de testament éternel, les peintures qui représentaient ma contemplation. De sens que je ne vous quitte pas, parce que je vous laisse, sous la forme de mes peintures, mon cœur divisé, mais mon cœur œcuménique, mon cœur plein d'espérance et d'amour, c'est-à-dire de foi et de charité. Il n'a eu qu'un seul intérêt philosophique, c'était précisément les relations du temps et de l'éternité, et même plus précisément, pourquoi Dieu... qui, somme toute, pouvait faire ce qu'il voulait, a-t-il cru bon de nous précipiter dans le temps en nous promettant à la sortie de ce temps l'éternité? Pourquoi ne nous l'a-t-il pas donné tout de suite? Il allait être projeté dans cette éternité que toute sa vie de philosophe, il avait tenté de décrypter et de quasi-théologien, sans être parvenu à... en embrasser la plus petite part, puisqu'elle lui a échappé en permanence. Et c'est le propre pour chacun d'entre nous. On parle de l'éternité, c'est un mystère. Pendant cette vie, nous jouissons déjà de l'éternité. Et après cette vie, nous jouirons encore du temps. Autrement dit, le temps et l'éternité sont toujours liés l'un à l'autre. Le temps, c'est de l'éternité déjà commencée. L'éternité, c'est la continuation du temps après la mort. Il pensait que quelques métamorphoses allaient se produire qui allaient le projeter dans ce face-à-face auquel il aspirait. Avec des tremblements, puisqu'il avait peur du jugement, il savait qu'il n'avait pas été parfait dans son existence. Il pensait que la rigueur de son Dieu s'exercerait à son détriment, mais il y avait aussi une très profonde confiance en la miséricorde de Dieu. Il est au paradis ou au purgatoire en ce moment? Dieu seul le sait.